Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'attitude à avoir lorsque vous avez affaire à une fuite de gaz non enflammée. C'est-à-dire, le gaz s'échappe de la bouteille, mais il n'y a pas de flamme. Dans ce cas, que faut-il faire? D'abord, sauter le disjoncteur s'il est à l'extérieur de la maison. Sinon, ne jamais actionner un interrupteur. Retirer ses chaussures afin de ne pas provoquer d'étincelles au sol. Ensuite, avant d'entrer dans la maison, il faut mouiller la clé, ouvrir la porte, puis arriver à la bouteille de gaz et fermer le robinet d'ouverture. Ouvrir les portes et fenêtres de la maison. Un point très important, il faut éviter la production d'étincelles car ce sont elles qui vont produire le feu.